Avec ses sketchs, devenu culte au fil des années, Pierre Palmade s'est imposé comme l'un des humoristes incontournables de la scène française. Une carrière, faite de hauts et de bas, qui a été ébranlée par un terrible drame. Le 10 février dernier, le comédien de 55 ans a provoqué un accident de voiture sur une départementale près de Melun, blessant gravement trois personnes. Alors que son procès judiciaire pourrait se tenir au printemps 2024, Pierre Palmade a été entendu par la juge d'instruction au tribunal judiciaire de Melun, Seine-et-Marne, le 26 septembre dernier. Un interrogatoire dont nos confrères du Parisien ont dévoilé quelques extraits, ce dimanche 29 octobre. S'il est revenu sur l'accident mortel et ses addictions, l'ancien acolyte de Muriel Robin a également évoqué les perspectives de son avenir. Face à la juge d'instruction, Pierre Palmade a confié qu'il ne s'attendait pas à remonter sur scène de sitôt, bien que la passion pour son métier soit toujours intacte. Je n'aimais qu'une seule chose dans la vie, c'est ma vie d'artiste, écrire et jouer des comédies, et aujourd'hui, je suis pas sûr de pouvoir recommencer ce métier. A-t-il déclaré. Avant de poursuivre, je me pose des questions sur l'avenir et l'appréhension terrifiante du procès qui m'attend. Au cours de son audition, Pierre Palmade a fait quelques confidences sur sa situation financière. Sans emploi, l'ex-mari de Véronique Sanson touche environ 7000 euros nets mensuels entre les diverses assurances liées à son AVC et les droits d'auteur, a indiqué le quotidien. S'il s'interroge sur la suite de sa carrière, le comédien souhaite avant tout vaincre ses démons. Je veux être amoureux sans drogue, être en bonne santé, ne plus fréquenter les gens qui se droguent. Ça m'a gâché 30 ans de ma vie, a-t-il avoué lors de cet interrogatoire. Et d'ajouter, je commence à sentir les bienfaits de l'abstinence, une santé constante, une forme constante et un moral constant. Pour moi, c'est une nouveauté. Supérieur à supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie. Pierre Palmade rongé par la culpabilité après l'accident. Près de 10 mois après le drame, Pierre Palmade est passé aux aveux lors de son interrogatoire avec la juge d'instruction. Lors de cet échange, il a admis être le seul fautif du terrible accident qui a bouleversé à jamais la vie de ses victimes. S'il a évoqué une amnésie totale et un possible épuisement, il a admis sans fard les excès ayant mené au drame et sa totale responsabilité, « J'ai bousillé la vie d'une famille ». La juge lui ayant détaillé les séquelles subies par les victimes de l'accident, Pierre Palmade s'est ouvert en termes clairs sur la culpabilité qu'il ressent, « Je suis horrifié de savoir que je suis la cause de tout ça. Quand j'ai su petit à petit les gravités, ça m'a laminé. C'est monstrueux », avant d'ajouter, « Je m'endors et je me lève avec ça, sincèrement. » Poursuivi pour blessure involontaire, Pierre Palmade, qui assure que sa culpabilité n'a cessé de croître, pourrait encourir jusqu'à 20 ans de prison. Crédit photo, Jack Tribeca.